Bonsoir à tous. Dans les titres de l'actualité ce lundi, des actions pour appeler le peuple béninois à préserver le calme et la paix. Nous irons dans le septentrion en cette période électorale. Les personnalités du parti Bloc républicain et des citoyens de la 7e circonscription électorale prônent la paix et la non-violence. Une séance de prière s'est déroulée en prélude au scrutin présidentiel. Nous irons à Lokossa où vous vivrez la sortie politique du jeune leader du Bloc républicain de la 18e circonscription électorale. Geoffroy Akosso, au milieu des forces vives de Lokossa, remercie le chef de l'État pour ses actions de développement et de paix au profit des communautés. Occasion pour lui d'inviter les citoyens à massivement sortir pour accomplir leur devoir civique le 11 avril. Et puis, dans les titres et dans ce journal, nous évoquerons les combats contre le coronavirus. Oui, il continue de se mener ce combat au Bénin. Le réseau Caritas mène des actions d'envergure pour la préservation de la santé des personnes vulnérables. Après 6 mois d'intense activité, Caritas Bénin a présenté aux parties prenantes dans la lutte les résultats de son plan de riposte. Bonjour à tous et bienvenue au journal. Période électorale, période parfois de tension, et il faut l'éviter afin de préserver le calme, la paix et la cohésion. C'est dans cette optique que les personnalités du parti Bloc républicain, au milieu des citoyens de la 7e circonscription électorale, ont prié pour la nation en prélude au scrutin présidentielle du 11 avril. Elles ont imploré la clémence de Dieu afin que règne au Bénin la paix et la tranquillité avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Les images. Les forces vives de la 7e circonscription électorale et le Bloc républicain implorent la paix pour le Bénin. Réunis ce samedi 27 février à Niki, ils ont prié pour que l'élection présidentielle du 11 avril prochain se déroule dans la quiétude totale. Aussi ont-ils invoqué la grâce divine sur le duo Talon Talata. Cette prière a été dite en présence du secrétaire général national adjoint du parti du cheval Cabré Robert Guyan, de la fille du terroir, la ministre du numérique et de la digitalisation Aurélie Adam Soulezoumarou, de plusieurs membres du Bloc républicain, des élus locaux, des têtes couronnées sages et notables. À travers cette prière faite de lecture du Saint-Coran, les fils et filles de la 7e circonscription électorale montrent leur attachement à la paix et leur amour pour le duo Talon Talata. C'est pour prier, c'est pour demander à Allah Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, de semer dans le cœur de chaque Béninois la paix, la quiétude, pour que ces élections se déroulent sans violence. Pour que les élections se déroulent sans violence. La prière est notre source, on doit s'abreuver. Et ici, la prière vient de deux côtés. Elle est venue du côté de la cour royale et de la communauté musulmane. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Il est donc important que chacun à son niveau puisse cultiver cette paix, surtout en cette période électorale. Un message de paix et de concorde nationale des imams sages et notables, soutenu par la ministre Aurélie Adam Soulezoumarou. Il est bon de se rappeler que rien ne se construit sans la paix. Et notamment quand on est à l'orée d'une période électorale aussi majeure que les élections présidentielles, il est toujours bon de se rappeler que la paix demeure une valeur essentielle. Ce message de paix a été également transmis au groupement de femmes de la commune de Niki par l'autorité ministérielle. La prière pour la paix, on va continuer d'en parler dans cette élection et toujours dans le cadre de la présidentielle à venir, la conversation citoyenne, un creuset d'échange et de partage initié par le mouvement Agir autrement pour l'avenir est au contact des populations pour leur parler du comportement citoyen à avoir en période électorale. Son périple s'ouvre sur la sensibilisation pour un fort taux de participation au scrutin. Agir autrement pour l'avenir est soutenu dans sa démarche par les boucliers de la rupture. Y met Hélène Amoussou. Si, par extraordinaire, on devait interrompre cette conversation en me disant « Vous avez une minute pour parler parce qu'on veut passer à autre chose », je dirais « Nous sommes là aujourd'hui pour nous interroger sur
ce qui a été accompli jusque-là. Ce rendez-vous se veut être un creuset de partage sur les réalisations du quinquennat du président Patrice Talon. L'initiative est portée par le mouvement Agir autrement pour l'avenir, soutenu par les boucliers de la rupture. Cet espace d'échange dénommé Causerie citoyenne a permis aux ministres, maires, députés et autres personnalités politiques présentes d'éclairer la lanterne des participants dans bien de domaines. Pour la présidentielle, notre constitution ne permet pas d'écrire que ce sont les partis politiques qui vont présenter le candidat à l'élection de la présidence. Mais comment on fait pour que les partis aient leur mot à dire? C'est ça le parrainage que nous avons institué. Pour dire, on ne peut pas dire que les partis présentent, mais nous allons écrire que les partis parrainent. Tour à tour, à la tribune, les différents orateurs sont revenus sur le contexte, la nécessité et l'utilité des réformes engagées dans les domaines de l'investissement, de la coopération, de la politique et des microfinances. Les nouveautés apportées et leur impact ont surtout été mises en exergue. La vision du chef de l'État sur le sujet des microcrédits a été une vision très élaborée, très structurée. Dès le départ, il nous a dit « faites tout possible pour que les femmes puissent vraiment bénéficier du microcrédit ». Dans l'accès, déjà, il faut juste aller s'enrôler au niveau des systèmes financiers décentralisés. Les frais, je vous ai dit, ont été réduits. Le taux avant était de 8,5%, aujourd'hui c'est revu à 4%. Vous recevez directement le microcrédit, la somme dans votre téléphone, et pour rembourser également, c'est par un code directement du téléphone. Cette causerie-là, à laquelle nous venons de participer, est teintée de défis. Nous leur avons expliqué le bien fondé des réformes et la réussite de tous les engagements du président Talon. Sur les différents projets de chef de l'État, les gens ont les yeux, ils ont vu que tout a été accompli. Ceux qui sont sceptiques, il faut les côtoyer, il faut aller vers eux pour leur expliquer le... D'ailleurs, déjà se barre de lui pour cela avec les boucliers. C'est le concept sur lequel eux ils travaillent. M3A aussi, ils m'ont dit, nous on veut pousser les gens à venir voter. Et il y a plusieurs associations ici, plusieurs notables qui sont là, font la même chose. Nous sommes au courant, ils parlent aux gens, ils sensibilisent les gens. Restons dans cette dynamique-là. En mission sur le terrain depuis plusieurs semaines, les boucliers de la rupture ont saisi l'opportunité pour sensibiliser l'assistance à répondre favorablement à leur appel, celui de sortir massivement le 11 avril pour accomplir le devoir civique. Et puis cette activité, une activité similaire au bloc républicain, la jeunesse du parti engagée dans l'action politique pour cette élection. Et vous allez le voir, c'était samedi sur initiative de l'OJBR Zou. Les jeunes leaders et militants politiques ont échangé sur les moyens et stratégies à mettre en œuvre pour une forte participation des populations à la présidentielle d'avril 2021. La rencontre a connu la participation des délégations venues de toutes les communes du Zou, des autres départements également, des départements du Bénin. On note aussi la présence des représentants du bureau politique national du bloc républicain. Imetiné Lamoussou. Réussi l'exploit de la mobilisation des électeurs pour le compte de la prochaine consultation électorale. À cet idéal, le parti du Cheval Blanc travaille depuis un moment sur le terrain. À Boïcon ce samedi, ils sont nombreux à répondre à l'appel de l'organisation des jeunes du bloc républicain au JBR, section Zou. Aujourd'hui, et au niveau de l'OJBR Zou, nous nous sommes retrouvés sous le regard bienveillant de nos autorités au niveau national pour échanger. Entre nos jeunes, comment renforcer l'unité, la solidarité au sein des jeunes de l'organisation des jeunes du parti Bloc Républicain, comment travailler ensemble et suivre les consignes que le bureau électoral du parti nous donne. La présente journée de l'OJBR est une occasion pour toute la jeunesse du jour de mieux s'enquérir des grandes réalisations du quinquennat. Elle permettra à nos jeunes, une fois retournés dans nos localités respectives, de lever des doutes et intoxications distillées par-ci et par-là. Cadres du parti, membres du bureau politique ainsi que la jeunesse se sont réunis dans l'objectif de définir les stratégies et moyens à mettre en œuvre pour une forte participation des populations à la présidentielle d'avril prochain. Première force politique dans le département du Zou à l'issue des dernières communales, le bloc républicain entend convaincre ses militants et autres de la nécessité pour les citoyens qu'ils sont d'accomplir leur devoir civique. Cette journée de réflexion est initiée pour sensibiliser les participants qui, à leur tour, sont invités à porter le message au public. Plusieurs communications ont été présentées dans le but de bien éclairer l'assistance. Je voudrais simplement inviter nos jeunes à la témérité, à la bravoure, au courage,
parce que les combats les plus difficiles seront nos cultures ou dans la Bible et qui ont été confiés aux jeunes ont toujours été gagnés. C'est vous qui avez fait notre département premier sur les 12 après les élections législatives et surtout les communales. C'est pour vous rappeler encore, de réitérer encore cet espoir-là durant les élections présidentielles prochaines que cette journée a été initiée pour vous ragaillardir. Votre regard doit se tourner vers l'avenir. Que les faits de l'histoire et les traditions pèsent moins à vos yeux que les perspectives futures. La jeunesse républicaine du jour mérite toute votre attention. Des 12 départements, c'est encore le JBRZOU qui prend son rôle au sérieux en prenant le devant des choses à travers cette première journée de réflexion. Venus de toutes les communes, les participants aux assises ont aussi été appelés à œuvrer pour une élection présidentielle apaisée. Ici, on remercie le chef de l'État pour ses actions de développement et de paix au profit des communautés. Nous sommes dans le village de Takonzongo, dans la commune de Lokossa, à la faveur d'une rencontre qu'elle a eue avec le jeune leader du bloc républicain de la 18e circonscription électorale, Geoffroy Akosou, qui effectue une tournée dans les différents villages et quartiers de la commune de Lokossa. C'est aussi une occasion pour son initiateur d'inviter les citoyens à massivement sortir pour accomplir leur devoir civique le 11 avril. Geoffroy Mensan, Florando. À quelques semaines du jour J de la présidentielle au Bénin, Geoffroy Akosou, dit AKG, est ici en mission pour le maintien du climat de paix et la mobilisation des électeurs. Face à ces jeunes, femmes, sages, notables, dignitaires religieux et têtes couronnées, réunis au quartier Takonzongo de Lokossa, le jeune leader du bloc républicain de la 18e circonscription électorale a mis l'accent sur les raisons de sa descente ce vendredi après-midi sur le terrain. Je me réjouis cet après-midi d'être parmi vous. Je vous remercie pour tout ce que vous avez eu à faire pour le parti dans le passé. Je continue de vous dire merci. Merci pour votre engagement vis-à-vis du bloc républicain. Les échanges qui ont suivi ont tourné autour du comportement à adopter en cette période électorale, de la nécessité pour chaque citoyen en âge de voter, d'aller le jour du scrutin, accomplir son devoir civique et du bilan du quinquennat qui s'achève. C'est du jamais vu. Au bout de, disons, 3 ans et demi, il a pu faire tout ce que nous avons constaté. Moi, je le dis et je le répète. Je n'ai pas dit que les autres chefs n'ont rien fait. Mais ce qu'on n'a pas pu faire en 60 ans, il a pris 3 ans pour révéler le Bénin. C'est à encourager, c'est à féliciter. Ce n'est pas donné à n'importe qui, ce n'est pas facile. Il a presque touché à tous les secteurs. Si nous allons tout citer, nous ne pourrons pas quitter ici. Les habitants du quartier Takonzongo en ont profité pour remercier le chef de l'État pour ses nombreuses actions en faveur du développement de la cité de l'espérance, Lokossa. Zongo, encore Takonzongo, un quartier historique et rempli d'histoire de la ville de Lokossa. Grâce au projet Aspartage et d'extension de l'éclairage public, ce quartier est impacté par la construction de la voie qui quitte Tikomé pour échouer devant l'hôtel Rama. Avec des accomplissements et la construction des caniveaux pour le drainage de l'eau de pluie, cette voie a permis également l'éclairage public. Geoffroy Akosou, tout en remerciant ses hôtes pour leur alignement derrière le bloc républicain, les a exhortés à continuer à soutenir les actions du chef de l'État et à cultiver l'esprit de paix et de fraternité. Que la paix règne. Confions l'organisation de l'élection présidentielle à Dieu. Quand quelqu'un vous aide, il faut le remercier. Nous remercions donc le président Patrice Talon pour ses actions. Nous comptons sur lui pour faire plus le développement de Lokossa. Que Dieu fasse qu'il achève ce qu'il a commencé. Nous rendons grâce. Si vous voyez un peu, c'est un jour béni chez les musulmans. Vous voyez. Et c'est en ce jour-là que nous demandons
cette paix, cette santé pour vous. Qu'Allah vous assiste dans votre mission. Cette mission, Geoffroy Kossou l'a entamée depuis quelques semaines. Il va, dans les jours à venir, poursuivre son périple avec son bâton de pèlerin et ainsi sillonner tous les villages et quartiers de ville de la commune de Lokossa. Et pour la présidentielle prochaine, on retient que 3 duos de candidats sont en lice, candidature validée par la Cour constitutionnelle des 20 dossiers enregistrés préalablement à la Sénat. Décision qui suscite des remous dans le camp des recalés. Dans ce contexte, le Haut Conseil des Rois du Bénin s'est retrouvé à un sommet au Palais Royal d'Alada pour prôner la paix, la substance avec Assiomo Kanyasiobon et Moufid Sabouran. Le Haut Conseil des Rois du Bénin félicite le chef de l'État, Patrice Talon. Réuni au Palais Royal d'Alada le vendredi 26 février, les têtes couronnées ont passé en revue les nombreuses réformes politiques engagées. Des réformes qui ont abouti à des succès, ont affirmé les têtes couronnées. La chefferie traditionnelle du Haut Conseil des Rois du Bénin encourage et félicite le chef de l'État dans ses courageuses réformes et son gouvernement à nos députés de la 8e législature pour les différentes actions quotidiennes que mène le chef de l'État pour faire le Bénin, le pays démocratique de paix, de prospérité, d'égalité culturelle et religieuse. Le sommet a permis aux rois réunis de jeter un regard sur la présidentielle du 11 avril. Ils ont alors estimé nécessaire de consolider la cohésion en leur sein pour la préservation de la paix. L'union fait la force et la désunion la faiblesse. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on peut aller loin. Le 11 avril 2021 aura lieu l'élection présidentielle dans notre pays. Et votre rôle, chère majesté, c'est de prier pour notre pays, de beaucoup prier pour le Bénin, de prier pour son chef, pour le président Patrice Talon, de prier pour le peuple béninois. C'est très important. Nous voulons la paix dans notre pays. À ce sommet, deux personnalités. L'ancien ministre François Abiola et la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, Claudine Prudencio. Elles ont insisté sur la paix. Il s'agit de prier, d'évoquer la paix dans notre pays. Et nous devons nous tous remercier le courage du président Talon, sa vision et sa lucidité pour avoir donné au roi une existence constitutionnel. Quoi de plus normal de venir en parler devant vous, vous qui êtes nos papas, nos parents, nos protecteurs. Vos bénédictions sont indispensables pour que cette bonne dynamique se poursuive avec succès et surtout dans la paix et la quiétude totale. Le Haut Conseil des Rois du Bénin pense qu'il est primordial de renforcer les capacités des rois, reine et chef traditionnel dans le domaine de leader d'opinion à la cohésion sociale. Ainsi, toutes les énergies doivent être mobilisées dans la diversité qui fait la richesse et la force du Bénin, ont laissé entendre les rois. Les appels pour la paix se multiplient en cette période électorale. La fondation Malef Rossou fait de même. Une séance de prière pour la paix s'est faite simultanément dans les 77 communes du Bénin. Celle de Cotonou a connu la participation du mouvement Luc Atropo pour Cotonou. Teddy Goudalo, Clément Atchadi. Tous en situation de prière, les fidèles musulmans de cette mosquée implorent la bonté d'Allah pour que règne la paix sur le territoire national. Allahumma rizukna inda al-maut ba'da al-maut bil qawli la ilaha illallah sayyiduna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salat ala nabi al-karim sallallahu alayhi wa sallam. On ne veut aucun éclaboussement de sang humain.
aucune bagarre. Ce que nous te demandons, c'est toi seul qui peux l'accorder et le faire. Personne ne peut le faire. Initiée par la Fondation Malerosu, la séance de prière vise essentiellement à attirer l'attention des hommes politiques sur l'esprit de paix qu'ils doivent cultiver, surtout en cette période où le peuple béninois se prépare à aller aux urnes. Celui que Dieu va mettre là, on doit se mettre ensemble pour dire, bon, comme c'est toi qui es là, on va t'aider à travailler. Et le pays en avant. Ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas seulement pour les musulmans, c'est pour tout le monde. Dans le respect des gestes barrières contre la COVID-19, la prière s'est déroulée simultanément à la même heure dans les 77 communes du Bénin. Pour le canton de Cotonou, elle a connu la participation du mouvement Lukatropo pour Cotonou. Depuis près d'une semaine, on est dans les mosquées, dans les marchés, dans les écoles, pour parler à nos frères, à nos sœurs, au moment de ne pas se laisser faire. Nous n'avons qu'un seul pays, le Bénin. Je suis très content que mon aîné, mon papa, l'honorable Malerosu, soit venu ici. C'est une coïncidence, on est arrivé juste, on était arrivé pour faire la même chose. Mais puisque c'est notre papa, c'est dit qu'on va s'associer à lui pour faire passer ce message de paix. Qu'Allah reste avec nous. Amen. Qu'Allah veille sur nous. Amen. Que le 11 avril 2021, que tout se passe dans la paix et dans la concorde. L'élection d'avril prochain doit se tenir dans un climat de bonne ambiance. C'est le combat que mène la Fondation Malerosu durant cette période sensible. Bien d'autres séances de prière s'annoncent déjà dans les tout prochains jours. Et nous quittons à présent la politique pour parler santé. La lutte contre le coronavirus reste un combat permanent. Dans plusieurs secteurs, des mesures draconiennes sont prises pour contrer la pandémie. Au Bénin, le réseau Caritas mène des actions et a mis en place un vaste plan de riposte d'envergure pour la prévention de la santé, notamment celle des personnes vulnérables. Après 6 mois d'intense activité, le réseau Caritas Bénin a présenté aux parties prenantes de cette lutte les résultats de ses actions, et ce à Parako. Daryl Mendegan. C'est une rencontre de redevabilité de Caritas Bénin dans la riposte contre le Covid-19. Depuis l'avènement de la pandémie, le réseau Caritas a mis sur pied un programme pour accompagner les populations vulnérables à se prémunir contre le coronavirus. 6 mois après, l'heure est au bilan à mi-parcours. Nous avons vraiment pris des risques au moment où chacun essaie de se protéger. Et le pape nous a appelé l'Église à sortir et aller vers les vulnérables, les plus vulnérables, pour justement leur porter ce témoignage de l'amour du Christ vis-à-vis de tout homme et de tout l'homme. Voilà pourquoi nous n'avons donc pas hésité à mettre en œuvre une première partie qui concernait justement ce que nous avons appelé l'ancien cordon sanitaire. Et juste après, nous avons donc élargi la sensibilisation aux 4 départements, donc de la Donga, du Borgou, du Mono et de Koufou, avec bien sûr l'aide de nos partenaires, le CRS et puis Kinder Mission. Donc, les grands axes du projet de riposte et les résultats obtenus sont présentés à l'assistance au cours de cet atelier de restitution. Lesquelles actions assurent des dotations, la sensibilisation de proximité à travers les médias, écoles et centres de santé du Borgou, de la Donga et Mono Koufou, les 4 départements bénéficiaires du projet. Cette sensibilisation a été faite avec aussi la mise à disposition de matériel dans des écoles telles que des dispositifs de lavage de mains et aussi des savons. Donc 400 dispositifs de lavage de mains ont été mis à disposition de 174 écoles et voilà, des zones ciblées. Nous avons mis à contribution la direction départementale des enseignements maternels et primaires avec les directeurs d'école et aussi toutes les autorités religieuses qui nous ont aider à pouvoir atteindre les résultats. Ce n'est pas le moment de baisser la garde au regard de l'ampleur que prend cette pandémie au Bénin. Les gestes barrières sont plus que jamais recommandés par Caritas Bénin. Ces actions sont déjà visibles sur le terrain. Les,
Les animatrices de Caritas Bénin sont venues nous sensibiliser sur le coronavirus à l'école. J'ai compris que pour éviter cette maladie dangereuse et mortelle, nous devons 1. Porter nos masques, éviter de se serrer les mains, éternuer dans le creux du coude, ne pas cracher à terre et surtout se laver les mains à l'eau et au savon tous les matins avant d'entrer en classe. Par nos apprenants, les parents seront touchés ainsi de bouche à oreille. Toute la population prendra au sérieux ce danger qui plane sur nos têtes. Luttons contre la COVID en respectant les mesures barrières. Caritas Bénin prend l'engagement de poursuivre ses interventions sur le terrain. Un programme de lutte contre cette pandémie est envisagé. Et voilà, et on reste à Parakou pour parler de l'eau et de l'eau potable. Sa disponibilité en quantité et en qualité est l'une des préoccupations de l'exécutif. Samedi, le ministre de l'eau et des mines s'est rendu dans des localités de Kaourou pour s'assurer du bon fonctionnement des points d'adduction d'eau villageoise installés pour usage. Samoussi Adambi s'est imprégné des difficultés qu'ont ces populations à s'approvisionner à ces sources. Certains dispositifs ne fonctionnent pas et la promesse est faite de les rénover. Ulrich Abalo, Ibrahim Bakourou Nouri. S'assurer du bon fonctionnement des dispositifs d'adduction d'eau villageoise installés dans plusieurs localités du pays, c'est le but principal de cette descente du ministre Sam Seydou Adambi dans la commune de Kaourou. Le ministre de l'eau et des mines a fait le tour de 8 sites dans cette commune du département du Borgou. Du constat fait sur le terrain, certains dispositifs fonctionnent normalement, tandis que d'autres ne servent plus aux populations bénéficiaires à cause soit d'une panne ou d'un acte de vandalisme. Tous ces forages que vous avez réalisés par le gouvernement qui ne sont pas fonctionnels, le mercredi dernier, le conseil a pris cette décision de les mettre en état de fonctionnement. Je voudrais donc rassurer nos populations que le gouvernement de notre président Son Excellence M. Patrice Talon tient toujours ses engagements. Ce qui est dit, et ce qui est dit sera fait par la grâce d'Allah. À chaque étape de sa tournée, le ministre Sam Seydou Adambi a accordé de l'intérêt aux difficultés des populations. De Goro à Tchatchou, en passant par Worogi, Borone et d'autres localités, les populations ne souhaitent qu'avoir l'eau en quantité et en qualité. Nous voudrions profiter de l'occasion pour porter à votre connaissance le problème de rechargement de l'eau au niveau du premier château d'eau dont le forage se trouve à l'entrée est du village. Il s'agit de la consommation excessive du courant électrique nécessaire pour recharger l'eau au niveau du château. Vraiment, on est très content du fait que vous êtes là aujourd'hui. Vous allez constater de vos yeux ce que nous sommes en train de vivre ici. Il faut parfois aller jusqu'en ville. Chercher le bidon d'eau à 50. Vous êtes combien? Vous êtes combien ici? On est vraiment nombreux. Et si on avait même une seule pompe, ce serait mieux que zéro. Des difficultés qui ne resteront pas longtemps sans solution, a rassuré le ministre Sam Seydou Adambi. Selon ce dernier, l'accès à l'eau potable pour tous est l'une des préoccupations majeures du gouvernement de la rupture. D'ici le vendredi prochain, tous les maires du Bénin, tous les maires sans exception, seront conviés à une séance. Et chacun reviendra dans sa commune avec la feuille de route pour l'exécution de tous les travaux d'eau dans chacune des communes. Pas seulement Kaourou Centre, y compris tous les villages. De l'entame à la fin de cette tournée, le ministre de l'eau et des mines n'a cessé de le marteler. Le président Patrice Talon souhaite atteindre l'objectif eau potable pour tous les Béninois où qu'ils se trouvent. Un objectif que Sam Seydou Adambi compte atteindre avec le concours des populations et des élus locaux. Nous allons refermer ce journal avec cette reconnaissance et c'est l'Institut universitaire Les Cours Sonou qui est certifié ISO 21001, voilà, version 2018. C'est le premier établissement privé d'enseignement supérieur à décrocher cette certification. Il faut le préciser, la remise et la présentation du certificat a eu lieu vendredi dernier à Cotonou, occasion pour
l'établissement bénéficiaire de réitérer son engagement à poursuivre ses bonnes prestations dans la dynamique de la démarche qualité. Uri Gaba, Moufid Sabour. La présente soirée de gala est la consécration de plusieurs années d'efforts acharnés et de sacrifices consentis. L'Institut universitaire Les Cours Sonou est heureux de partager avec ses proches, son personnel et les autorités béninoises la joie d'avoir décroché brillamment le certificat qui consacre cet établissement privé d'enseignement supérieur, première université certifiée ISO 21001, version 2018 dans l'Afrique subsaharienne. C'est à l'issue d'un audit de certification conduit dans le respect absolu des principes d'audit pour arriver à une conclusion qui recommande les cours Sonou à la certification dans le domaine suivant. Service éducatif fourni en licence et master sur le site de Kaboma, Cotonou, République du Bénin. Nous y sommes parvenus grâce à notre leadership qui nous distingue et fait montre de notre dynamisme et de notre volonté de faire autrement les choses courantes, de fournir un service éducatif de qualité à nos apprenants qui sont nos premiers partenaires dans le domaine. Bien que fier et très satisfait de cette certification, l'Institut universitaire Les Cours Sonou ne perd pas de vue le reste du combat. Le premier responsable de cet établissement privé d'enseignement supérieur s'engage à poursuivre ses actions dans la dynamique de la démarche qualité. Comme les Américains ont coutume de le dire, la punition pour un travail bien fait, c'est plus de travail. Cette certification nous met encore la pression et nous contraint à faire plus d'efforts pour mériter notre place de leader, la conserver, mais aussi de continuer dans le même sens pour recevoir d'autres distinctions encore plus grandes. Pour le représentant du ministre empêché, cette certification prouve une fois de plus le sérieux dans la qualité des prestations de services d'éducation qu'offre l'Institut universitaire Les Cours Sonou au Bénin. Il félicite le récipiendaire et exhorte les autres promoteurs à suivre son exemple. Ce soir, l'Institut universitaire Les Cours Sonou concrétise et traduit dans les faits la démarche qualité telle que formulée par le PAG par l'obtention d'un certificat à la norme ISO 21001, version 2018. Je voudrais féliciter tous les acteurs qui ont contribué en amont à l'aboutissement de cette démarche. J'exhorte vivement tous les promoteurs et acteurs du monde de l'éducation de notre pays à adopter le système prôné par cette norme de la qualité afin d'accompagner la volonté de notre gouvernement à faire du système éducatif béninois un pilier de la transformation structurelle de notre économie. En réponse à cette exhortation, l'Institut universitaire Les Cours Sonou s'engage à mettre au service de la jeunesse béninoise un label de qualité afin de déverser sur le marché de l'emploi des cadres de grandes compétences capables de créer la richesse pour un développement économique de la nation. Et voilà, c'était le 13h chez vous. Merci de nous avoir suivis. L'info se poursuit sur Canal 3 Bénin et canal3television.com. Passez un très bel après-midi et bonne suite de journée.